Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous faire découvrir mes favoris du moment. C'est vrai que ces vidéos favoris du mois, j'avais l'habitude de faire ça par le passé, j'ai un petit peu perdu l'habitude. Je me suis dit qu'en 2023, c'était des vidéos que j'avais envie de refaire parce que c'est un format assez sympa pour vous faire découvrir un petit peu tous mes coups de cœur, mode, beauté, lifestyle du moment. Donc on va s'y atteler tout de suite. Avant de commencer, je voulais vous partager un bon plan shopping pour Ana Luisa, qui est la marque de bijoux que je porte. Vous me connaissez, c'est une marque que j'ai découvert il y a maintenant plus de 2 ans et que je porte très très souvent. Vous voyez très souvent notamment leurs boucles d'oreilles passer sur mes stories sur Instagram. Et aujourd'hui, j'ai un bon plan à vous partager puisque pour la Saint-Valentin, si vous achetez une pièce, la deuxième passe à moins 50%. En fait, si vous avez envie de vous faire plaisir ou d'acheter un cadeau pour quelqu'un, c'est vraiment un très très bon plan. Et j'ai également un code promo à vous partager, je vais vous le mettre juste ici, qui vous donnera 20% sur l'entièreté de la collection. Si jamais vous voyez cette vidéo un petit peu trop tard pour profiter de la promo Saint-Valentin, ce sera l'occasion d'avoir une petite réduction pour vous faire plaisir. Moi, comme je vous le disais, c'est une marque de bijoux que j'aime vraiment beaucoup et que je porte très très souvent. Aujourd'hui, je porte ce duo de collier qui est absolument magnifique avec une chaîne toute toute fine. C'est vraiment ce que j'aime chez eux, c'est que les pièces sont fines, délicates, hyper féminines, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et je porte aussi une paire de boucles d'oreilles sur laquelle j'ai complètement flashé. Vous connaissez mon obsession pour les boucles d'oreilles et surtout quand elles sont un petit peu originales comme celles-ci, qui sont en fait ouvertes, qui ne sont pas du tout fermées comme des petites huggies d'habitude. Et ça, je les adore. J'ai prévu de me faire un nouveau piercing dans pas très très longtemps, donc ça, je pense que ce sera magnifique. Si vous avez un deuxième ou un troisième trou, c'est vraiment super super beau. Je voulais aussi vous montrer 2 autres pièces que j'ai sélectionnées sur leur site et mention spéciale pour leurs petits pochons parce que j'adore ces petites trousses pour stocker les bijoux. Elles sont vraiment super bien faites, vous avez un petit séparateur à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment une chouette façon de ranger ces bijoux pour qu'ils soient à l'abri de la lumière, du soleil, mais aussi pour voyager, c'est super pratique, moi je les prends toujours avec moi. Je vous disais que je suis une vraie fan de boucles d'oreilles, donc j'ai aussi pris cette paire de Huggies qui est sublime avec des petits brillants sur l'avant. Je pense que ça c'est vraiment un modèle que je vais beaucoup beaucoup porter. J'ai un autre modèle assez similaire de chez eux qui est à peu près le même mais avec une chaîne en plus. Donc là ça va me faire une autre option et comme je porte tout le temps ceux avec la chaîne, je n'ai aucun doute sur le fait que je vais beaucoup porter ceci aussi. Et j'ai aussi craqué pour un collier, moi j'adore porter les bijoux en accumulation, c'est vraiment ce que je préfère. Et ici ils vendent un collier double, donc qui est directement fait pour être porté en accumulation avec un seul fermoir. Je trouve qu'en général ça donne toujours très bien parce que ça permet que le bijou reste bien en place. Et ici vous avez vraiment cette petite médaille sur le devant, de nouveau super fin, super féminin. Classique, intemporel, on connaît mon amour pour ce genre de pièces qu'on va porter avec autant de plaisir dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années. Et vraiment la qualité de leurs bijoux, je peux vous le dire puisque je les porte très très souvent, ça ne bouge pas dans le temps. Je trouve que c'est très rare de trouver une belle marque de bijoux qui tient très bien, où les pièces ne s'oxydent pas ni quoi que ce soit. Ici c'est totalement le cas, les pièces sont aussi belles que quand je les ai reçues le premier jour. Je vous encourage vraiment à aller sur leur site si vous êtes intéressé, si vous voulez profiter de la promotion. Pourquoi pas faire un achat groupé entre copines ou si vous avez des personnes autour de vous qui vont bientôt fêter leur anniversaire ou un événement un petit peu spécial. Je trouve que c'est vraiment un très très beau cadeau. Je propose qu'on passe maintenant à la beauté et qu'on commence par ces 2 produits de chez Mademoiselle Bio. C'est vrai que c'est une marque et un site internet que je voyais beaucoup passer sur les profils de différentes youtubeuses et sur Instagram que je suis. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester quelques-uns de leurs produits. Et alors, gros coup de cœur, je vous le confirme. Je pense que c'est le coup de cœur de tout le monde. Mais l'huile démaquillante émulsion est incroyable. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise tous les soirs en ce moment. Je pense que c'est clairement dans le top 3 des meilleures huiles démaquillantes que je n'ai jamais essayées. Elle est vraiment super douce sur la peau. Elle enlève bien le maquillage, y compris le mascara waterproof très résistant. Moi, je l'adore. Je l'utilise tous les soirs en ce moment. C'est vraiment... J'adore me démaquiller grâce à cette huile démaquillante. Et puis, j'adore aussi, ça je ne m'attendais pas du tout à adorer ce produit, c'est la lotion tonique éclat et soin qui vient dans un petit spray comme ça. Là, en fait, c'est un produit que j'ai utilisé juste après mon double nettoyage. Donc, je nettoie, je démaquille ma peau avec l'huile démaquillante, je nettoie une deuxième fois mon visage et puis je viens appliquer quelques sprays de cette lotion et je la trouve apaisante, cocooning, hydratante, sans être trop forte, sans être bourrée d'actifs hyper puissants comme une lotion peeling ou ce genre de choses. Est vraiment gros coup de cœur et vous pouvez foncer les yeux fermés, surtout sur l'huile démaquillante. Je pense que dès que j'aurai fini ma bouteille, je vais repasser commande parce que gros gros coup de cœur. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu passer mes stories où je vous parlais de ce produit.
Je l'aime tellement que j'ai craqué pour le full size. D'ailleurs, j'ai trouvé le full size sur l'application Choose, qui est une application de vente privée qui sont assez éphémères. Je connaissais pas du tout l'application, j'ai passé 3 commandes maintenant. Vous avez un petit peu de tout, vous avez des cours de sport, vous avez des vêtements, vous avez des accessoires, du lifestyle, de la beauté, etc. J'ai commandé ça, j'ai commandé des compléments alimentaires. Bref, j'ai un gros coup de cœur pour cette application. Il ne s'agit pas du tout d'un partenariat, mais j'ai un lien de parrainage. C'est le lien de parrainage que tous les utilisateurs de l'application peuvent avoir. Je vous le laisse dans la barre de description. Je pense que ça vous offre 10€ sur votre première commande. Et les prix sont vraiment intéressants parce que là j'ai pu acheter le full size beaucoup moins cher que sur Cult Beauty où j'avais acheté le petit format. Donc qu'est-ce que c'est que ce produit? Parce que moi je suis en train de vous agiter les flacons, de ne pas vous dire ce que c'est. C'est le Color Wow Dream Coat Spray Prodigieux, ça porte bien son nom. C'est une petite merveille. C'est un spray en fait que vous allez appliquer tous les 3 à 4 shampoings sur cheveux humides avant de passer au séchage. Il ne fonctionne qu'avec de la chaleur et de la tension. Donc vraiment, si vous faites un brushing, si vous utilisez une brosse pour bien tirer les cheveux, si vous utilisez quelque chose comme le Dyson Airwrap que j'utilise à chaque fois, c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé pour faire mes cheveux aujourd'hui. En fait, c'est incroyable parce que ça vient vraiment lisser le cheveu, le gainer, et ça le rend un petit peu waterproof, résistant à l'eau. C'est-à-dire que moi, quand j'utilise ça et qu'il fait très humide, je termine pas avec mes petits cheveux en mouton comme d'habitude où j'ai plein de frisottis. Ici, c'est vraiment pas le cas. Et en fait, ça galbe vraiment le cheveu. Si ça vous intéresse, je pense que j'ai sauvé les stories sur mes stories à la une beauté sur mon Instagram. Mais vraiment, j'ai été bluffée dès la première utilisation. Comme je vous le disais, moi, c'est un produit que j'utilise tous les 10 à 15 jours. Faut pas avoir peur d'avoir la main lourde et de vraiment saturer les mèches de cheveux dans ce produit. Je vous promets que ça ne laisse aucun résidu, ça n'alourdit pas les cheveux ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment une merveille. Toujours en matière de beauté, vous allez voir, j'ai vraiment fait un focus sur mes cheveux ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'entre le postpartum, les dérèglements hormonaux, mes soucis de santé, mes cheveux n'étaient pas au top, et j'en ai profité pour recommander des élastiques à cheveux de la marque Sleep. Ce sont des élastiques à cheveux en soie. Moi j'avais craqué pour la première fois en 2019, c'était à Londres, j'avais acheté un kit, c'est des élastiques qui sont très chers pour des élastiques à cheveux, mais ils les valent à 100%. J'ai fait un petit test, donc moi je les ai rachetés pendant Black Friday et j'avais acheté d'autres élastiques en soie sur des sites beaucoup moins chers, sur des marques de High Street. Et rien à faire, la qualité est vraiment dinguissime sur ceux-ci. Ils glissent sur les cheveux, ils laissent pas de marque. Moi c'est tous les soirs, j'attache mes cheveux en queue de cheval ou en chignon pour préserver mes boucles et ça ne bouge pas. C'est vraiment mais le mieux pour les cheveux, c'est beaucoup moins agressif qu'un élastique qui va vraiment tirer les cheveux, qui va risquer de les casser. Cette marque-là est vraiment bien au-dessus de toutes les autres, donc oui, c'est clairement un budget, mais ça les vaut entièrement. Si vous avez beaucoup de problèmes de cheveux qui cassent, que vous les attachez très souvent, c'est une petite merveille et ils tiennent en place même quand je fais mon sport. Donc vraiment gros coup de cœur et ils valent tout leur argent. Un autre de mes coups de cœur pour les cheveux, c'est bien évidemment mon nouveau lisseur Dyson, le Coral. Je vous prépare un article complet, un petit peu comme les articles que je vous avais fait sur le Airwrap, avec vraiment tous les points forts, les inconvénients, un article ultra complet. Je vous avais fait une vidéo crash test, je vous la laisse là si ça vous intéresse. Ce lisseur a un petit peu changé ma vie, j'ai été chez le coiffeur l'autre jour, j'en parlais, je pense que j'en ai parlé pendant 20 minutes. Je n'ai jamais réussi à me boucler les cheveux avec un lisseur avant d'avoir celui-ci. En fait, vous avez cette technologie de plaques qui sont mobiles et qui vraiment attrapent bien la mèche de cheveux. Donc quand je fais mes boucles, les mèches ne s'échappent pas du tout du lisseur. J'adore, je l'utilise très souvent. Bon là, j'ai utilisé mon Airwrap hier et mon brushing est encore nickel. Mais quand je veux faire des retouches, quand j'ai un petit épi, si je veux me lisser les cheveux, si je veux donner un effet brushing, si je veux les boucler, j'utilise ceci. C'est vraiment une merveille. Je trouve que la batterie dure pas assez longtemps. Ils disent 30 minutes, j'ai l'impression que c'est pas exact. Mais voilà, sinon rien à leur reprocher. Je suis vraiment contente d'avoir craqué. Et je vous dis, avant de l'avoir jamais réussi à vraiment bien me servir d'un fer à lisser pour faire mes boucles, et là maintenant, en 15 minutes, j'arrive à faire tous mes cheveux et à avoir un résultat nickel. Enfin, dernier coup de cœur beauté, c'est cet anti-cerne de chez Armani. Je vous ai fait un article sur le blog parce que j'ai pu tester le shopping beauté sur The Bay & Corf. Spoiler alert, c'est canon, tout arrive super rapidement, vous avez des marques génialissimes dessus. Et j'ai commandé en fait cet anti-cerne qui est le Luminous Silk, qui est en fait la version anti-cerne du fond de teint que j'utilise depuis pas loin de 10 ans je pense. Et
énorme coup de cœur. J'ai pris la teinte numéro 2, c'est celui que j'utilise au quotidien. Pour le moment, j'ai beaucoup de cernes parce que je dors pas super bien. Je suis très fatiguée et là, il me sauve tous les matins. La texture est vraiment légère, fluide, mais couvrante. C'est vraiment, il est aussi bien que le fond de teint. Les deux ensemble, ça vous donne un fini super radieux mais super naturel aussi. Bref, énorme coup de cœur, je vous le recommande et je me dis que j'aurais dû l'essayer bien avant parce que vraiment je pourrais difficilement m'en passer. Ensuite, passons à mes coups de cœur mode et bien évidemment mon premier c'est celui que je porte, c'est ce blazer que j'ai trouvé sur Amazon. Vous me connaissez, je suis une fan d'Amazon, que ce soit pour commander des livres, des articles de puériculture pour Emma, des vêtements, des produits de beauté. J'adore Amazon, je suis vraiment une cliente fidèle depuis très longtemps, je trouve ça super pratique. Surtout quand je peux trouver des marques que je ne trouve pas ailleurs, ce qui est le cas pour ce blazer, c'est la marque Peppercorn. J'avais jamais vu la marque ailleurs, ils ont vraiment de très belles pièces. Je vous laisserai le lien de mon profil de ma boutique Amazon où vous avez vraiment tout, tout ce que j'adore, toutes mes dernières commandes, tout ce que je vous recommande. Il y a des idées de look que vous pouvez choper directement avec des pièces que j'ai trouvées sur Amazon. Vous avez toute une liste de cuisine, les livres que j'ai lus, des articles pour Emma, des choses pour la maison. Je mets vraiment tous mes achats, tous mes coups de cœur Amazon sur cette page, donc je vous la laisse dans la barre de description. Mais ce blazer, vous connaissez mon amour pour les blazers. Je pense qu'on sait tous que je suis légèrement obsédée. Mais cette fois-ci, il est un petit peu en lin comme ça. Et j'adore la couleur parce qu'il n'est pas vraiment beige. Il n'est pas vraiment camel. Il est juste un entre-deux parfait qui fait qu'on peut le porter à toutes les saisons. Je pense que je le porterai autant en été que je le porte maintenant en plein hiver. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Alors, une autre pièce que j'ai trouvée sur Amazon, je vous mettrai une petite photo comme ça, ça vous donne une idée. Mais c'est cette robe de la marque Yas. C'est une marque que j'avais découvert il y a quelques années et j'adore leur design. Et ici, j'ai pris cette robe à fleurs qui est vraiment très jolie, qui va à peu près au niveau des genoux. Et je trouve qu'elle est parfaite pour ce moment-ci de l'année parce que elle est pas, elle est fleurie, mais elle est pas fleurie, vous savez, très printemps, très été. Et pourtant, elle donne vraiment un petit coup de boost. Je la trouve très douce au teint parce que souvent, moi, quand je porte des robes à fleurs, ça peut vraiment clasher comme je suis très pâle. Là, c'est pas du tout le cas. J'adore la porter. J'ai des cuissardes brunes qui vont jusqu'au-dessus du genou. Avec ça, c'est vraiment parfait et c'est ma petite obsession du moment. Et une autre pièce que j'ai trouvée sur Amazon, c'est cette paire de bottines. Ce sont des Tommy Hilfiger. En fait, j'avais déjà des bottines de pluie comme ça en caoutchouc noir que j'ai trouvé sur la Redoute il y a des années. Et en fait, c'est des chaussures que je porte tout le temps. Je vis en Belgique, il pleut très souvent et en plus dans mon quartier quand il pleut ça reste humide très longtemps. Et alors ces bottines là, mais c'est juste parfait. Donc je les ai vues en beige, je les ai prises, je les trouve super jolies pour des bottines de pluie. C'est beaucoup plus facile à porter que des vraies bottes de pluie, des bottes en caoutchouc qu'on doit enfiler, qu'on galère à enlever, etc. Ici ça se porte vraiment comme des petites boots habituelles. C'est super pratique et puis là je pense qu'au plus elle m'a grandi, au plus elle va adorer jouer en extérieur et aller patauger dans les flaques d'eau. Donc je pense que ça va s'avérer très utile dans les années à venir et je les trouve vraiment très belles et très simples mais très efficaces et super faciles à laver aussi. Vous les passez simplement sous le robinet et elles sont propres nickel en 2 secondes. Bref, c'est vraiment un bon basique à avoir dans sa garde-robe et qui reste quand même stylé pour des bottines de pluie. Notre favori mode dont je voulais vous parler, c'est la lingerie Chantelle. Je suis ambassadrice Chantelle et c'est une vraie découverte. Je connaissais déjà la marque, mais là j'ai pu tester mes plein de leur lingerie. Et waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien conçu, qu'est-ce que c'est bien fait. Je vous ai déjà partagé quelques photos sur Instagram, mais alors gros coup de cœur pour ce modèle-ci, qui a un petit bralette comme ça en dentelle bleu pétrole, mais juste tellement beau. Ce modèle-ci qui est aussi en dentelle mais qui est radicalement différent, je suis vraiment impressionnée par la qualité parce que pour le prix des ensembles ou simplement des soutiens-gorge ou des dessous, vraiment la qualité est dinguissime, j'en suis ravie. Et alors il y a une autre gamme, je vais vous mettre le nom ici, que je porte tout le temps, c'est simple, j'avais l'ensemble en corail, je l'ai acheté en beige et en noir. C'est super confortable à porter au quotidien. Si vous voulez faire une activité assez calme comme du yoga, du pilates, c'est aussi parfait. Ça change, vous savez, des soutiens de sport qui sont vraiment hyper compressifs, hyper inconfortables. Là, pas du tout. C'est sans couture. C'est vraiment, mais c'est un pur bonheur à porter au quotidien. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de cette marque parce que vraiment, c'est une très belle redécouverte pour moi. Je suis ravie de travailler avec eux et je suis vraiment hyper contente de leurs produits. Je suis vraiment bluffée et à chaque fois que je les porte, je sais pas vous, mais moi j'adore avoir de la belle lingerie sous ce que je porte. Je trouve que ça me met de bonne humeur tout simplement. Et là, gros coup de cœur. Dernier coup de cœur mode, c'est ce sweatshirt Vogue dans lequel je passe
tous mes week-ends. En week-end, je porte toujours un legging Lululemon, vous savez, les Aligns, qui sont mais tellement confortables. C'est simple, j'ai offert une paire à une copine il y a un an et demi. À chaque fois que je la vois, elle porte ses leggings. Je lui dis, mais c'est dingue, tu les aimes autant que moi. Je suis trop contente que mon cadeau lui plaise. L'autre jour, d'ailleurs, elle est venue manger à la maison et elle avait son legging Lululemon. Et moi aussi, j'étais ok, on se refait pas. Mais c'est vraiment super confortable. Et alors, je mets ça par-dessus. Je le trouve vraiment beau, je le trouve vraiment discret. Souvent, les sweatshirts comme ça, je trouve qu'ils sont un petit peu mal taillés, qu'ils sont vraiment trop oversize. Ou alors, je sais pas, ils me plaisent juste pas. Mais celui-ci, il me plaît vraiment beaucoup. Et je vous dis, je le porte tout le temps, il est beige comme ça, ton sur ton, je le trouve vraiment mais super chouette comme ça pour chiller à la maison, c'est juste parfait. Alors je vous propose qu'on passe au lifestyle et on va commencer avec quelques livres que j'ai adorés récemment. Le tout premier, je ne l'ai pas à vous montrer parce que je l'ai lu, d'ailleurs ça c'est un bon plan, je l'ai lu sur l'application Scribd, qui est une application que j'utilise depuis des années, j'ai un abonnement. C'est, je pense, 8,99$ par mois et vous avez accès à tous des livres audio, des podcasts, des magazines, vous avez vraiment plein de choses dessus. Et moi, c'est une application que j'utilise très souvent, notamment pour les livres audio. J'adore écouter des livres audio quand j'ai un long trajet en voiture, quand je dois faire le ménage dans la maison, quand je dois faire du montage photo, des choses où je dois pas faire attention à ce que j'écoute. J'écoute un livre audio, ça me permet de lire énormément. Et là, j'ai lu The Last Mrs. Parrish de Liv Constantine. Je pense qu'il existe en français, je vous mettrai le titre ici, s'il est disponible. De toute façon, tous les liens de ce dont je vous parle seront dans la barre de description. Mais si vous aimez les thrillers, j'ai adoré celui-là. Je lis énormément de thrillers et très souvent, j'ai du mal à être surprise par les histoires. Je trouve qu'on a toujours un petit peu, vous savez, depuis Gone Girl, La fille du train, c'est toujours un petit peu les mêmes histoires qui reviennent. Là, pas du tout, j'ai vraiment adoré, j'ai été mais complètement absorbée par ce livre. J'ai écouté le livre audio qui est vraiment très très bien et vraiment j'ai adoré. Je viens de lire un autre de ces livres que j'ai malheureusement pas aimé comme celui-là, donc vraiment foncé, il est incroyable. Un autre livre que j'ai lu cette fois-ci en français, c'est La vie secrète des gènes de Evelyn Heyer. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai prêté à ma maman qui l'a beaucoup aimé aussi. Si vous aimez tout ce qui est génétique, ADN, etc., ça va vous intéresser. Il est très très chouette, on vous explique un petit peu notre génome, d'où on vient, les découvertes qu'on fait, comment notre passé peut définir notre futur, etc. C'est très intéressant. Mon seul petit reproche, c'est que souvent on répète la même chose et qu'il est très accessible, très facile à lire. Moi, je suis une quiche absolue en sciences et là, aucune difficulté. Mais du coup, je trouve que parfois, il n'approfondit pas assez ses sujets. On reste un petit peu sur sa fin. Donc, c'est quand même une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Si vous êtes passionné par ce genre de sujet, j'avais lu un autre livre. Je vous laisserai la référence dans la barre de description sur l'épigénétique qui m'avait mais fascinée. Depuis, je parle d'épigénétique à absolument tout le monde. Je trouve que c'est extraordinaire. On n'est qu'au balbutiement de ce genre de science, mais il y a tellement de choses fascinantes à apprendre. Et en tout cas, ce livre-ci ne m'a pas déçue. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus étoffé, mais en attendant, il est très très facile à aborder, à comprendre, et c'est vraiment très intéressant. Alors, un autre livre que cette fois-ci j'ai lu en anglais, mais qui existe en français, c'est Une histoire du corps humain de Bill Bryson. Bill Bryson, c'est un auteur, j'ai lu déjà beaucoup de ses livres. Enfin beaucoup, j'en ai lu 4 ou 5, et il en écrit vraiment beaucoup. Mais celui-là est super intéressant, c'est vraiment un livre sur le corps humain, son fonctionnement, l'histoire des médecines, etc. Vous apprenez des choses à chaque page. De mémoire, c'est divisé par zone du corps, donc vous avez tout un chapitre sur le système nerveux, tout un chapitre sur le cerveau, tout un chapitre sur les yeux. C'est super, super, super intéressant. Moi, je l'ai lu sur mon Kindle. J'ai surligné plein de passages que j'ai d'ailleurs sauvegardés sur mon compte Goodreads si ça vous intéresse. Mais super intéressant. J'ai vraiment appris plein de choses. C'est de nouveau hyper accessible. C'est drôle. C'est tout Bill Bryson. Mais dans un livre sur les sciences, j'ai vraiment adoré. Je vous le recommande à 100%. C'est un livre que j'encourage tout le monde autour de moi à lire. Vous apprenez vraiment toutes des petites choses marrantes mais intéressantes aussi. J'ai appris notamment comment on avait développé certains vaccins, certains antibiotiques, tout ce qui est, on parle du microbiote, on parle, enfin c'est vraiment super intéressant. Je vous encourage vraiment à le lire, moi je l'ai adoré. Alors une autre de mes obsessions lifestyle dont je vous parle énormément, je pense que je vous en ai parlé sur Instagram et dans la newsletter, ce sont les compléments alimentaires M
énorme coup de cœur pour cette marque. Alors je prends deux de leurs compléments alimentaires, je prends le Hair and Scalp Boost pour les cheveux et le French Glow pour la rosacée. Mais mon vrai coup de cœur c'est ceci, c'est le Sleep and Glow. J'ai la brume de sommeil que j'utilise tous les soirs dans le lit, j'adore cette odeur. C'est hyper apaisant, hyper naturel et vraiment ça me calme le soir. Mais surtout ceci, ce sont les gouttes Sleep and Glow. C'est déjà mon deuxième ou troisième flacon. J'adore ceci, je les prends pas tous les soirs, mais en fait quand je les prends, c'est hallucinant, je tombe endormie en 5 minutes. C'est incroyable, ça a juste changé ma vie. Je les prends pas tous les soirs, je les prends vraiment quand je suis fatiguée, quand j'ai du mal à déconnecter, quand j'ai une grosse journée, que j'ai été très stressée ou que j'ai fait une séance de sport juste avant d'aller me coucher. Je les prends et vraiment ça a changé ma vie, je les recommande à tout le monde, j'en parle à tout le monde autour de moi et je vous dis c'est déjà ma deuxième ou troisième bouteille. Je pense que je vais regarder s'il n'y a pas un système d'abonnement. Je sais qu'il y a un abonnement pour les gélules de compléments alimentaires, mais là vraiment je pourrais plus me passer de ça. C'est un petit produit, là prochainement je vais partir en city trip à Londres. Je sais que je vais le prendre avec moi, j'ai toujours un petit peu de mal à m'endormir quand je suis pas dans mon environnement habituel. Donc clairement je vais les glisser dans ma valise parce que je ne peux plus m'en passer. Un autre de mes favoris c'est l'application Calm sur mon téléphone. Ça fait déjà plus d'un an que j'utilise l'application. Je pense que je vous en ai jamais vraiment parlé en détail. À la base c'est une application que moi j'ai pris pour les exercices de méditation. Je fais pratiquement tous les jours le Daily Calm qui est une méditation de 10 minutes en anglais. À chaque fois autour d'un thème, je trouve que les thèmes sont super bien choisis. J'adore la voix. Je pense que c'est Tamara Lewitt qui fait la voix. Elle a une voix qui m'apaise, c'est dingue. Je vous avoue que moi quand je médite couchée au sol, enfin sur un tapis de yoga, et je mets un masque sur mes yeux parce que j'ai beaucoup de difficultés à rester assise et à fermer mes yeux, je me déconcentre quand je fais ça, donc là au moins je sais que je suis directement dans la méditation. Mais il y a plein d'autres options dans cette application. Vous avez du stretching, vous avez des bedtime stories, donc des histoires pour vous aider à vous endormir. Ils ont ce qu'on appelle les soundscapes, et là vous avez des bruits de vent, de rivière, de pluie, enfin c'est vraiment un bonheur et j'adore utiliser cette application. C'est vraiment, c'était pas très très cher à acheter, j'ai pris la version premium et je l'utilise tout le temps. Alors, mon dernier favori c'est ceci, vous allez vous demander ce que c'est. C'est aussi quelque chose où je fais la démo partout, à tous les gens qui viennent chez moi à la maison. C'est un allume-bougie qui m'a changé la vie. C'est vrai qu'avant moi j'avais, vous savez, ces petits briquets un petit peu longs pour les bougies qu'on doit rechercher avec du gaz, ils rendent l'âme, ça fonctionne pas, enfin bref moi ça me prenait la tête. Et ceci a changé ma vie. C'est en fait un petit, je sais pas si vous verrez, mais ça se recharge en fait, donc c'est pour allumer les bougies. Et ça se recharge en USB, donc vous n'avez plus besoin d'acheter des petites bonbonnes de gaz là pour recharger, etc. Il est jamais plat, je peux directement voir quand son niveau de batterie, ça s'affiche dessus. Vous avez la petite sécurité enfant ici, non pas que je le laisse traîner à portée d'Emma, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir ça. Et ça a changé ma vie, j'adore m'en servir, c'est, enfin bref, je voulais vous en parler. C'est un de ces petits gadgets qui simplifie la vie et surtout qui sur le long terme va être un bon investissement, je pense, parce que racheter des briquets comme ça et racheter du gaz pour mettre dedans, sur le long terme, c'est pas sustainable, ça fait plein de plastique, ça fait plein de déchets, alors qu'ici il suffit que je le recharge sur mon ordinateur et il est de nouveau bon. Et là je vous avoue que je l'ai rechargé quoi peut-être une fois depuis que je l'ai, il a toujours de la batterie, vraiment j'adore. Alors voilà, ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous rappelle le bon plan Ana Luisa si vous voulez craquer sur des bijoux pour vous, pour quelqu'un que vous aimez dans votre vie. Craquez sur une pièce, la deuxième passe à moins 50%. Et si jamais la promo Saint-Valentin n'est plus dispo, je vous laisse mon code promo qui vous donnera moins 20% sur absolument tout le site. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez jamais de frais de douane avec Ana Luisa. C'est une question qui revient très souvent. Vous n'avez jamais de frais de douane parce qu'en fait, ils ont ouvert un entrepôt ici en Europe. Donc ça arrive très très rapidement et aucune mauvaise surprise lors de la livraison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.